Alléluia. Si vous permettez, j'aimerais introduire notre oratrice. Alléluia. C'est une servante de Dieu. Alléluia. Vous ne l'avez jamais vue, peut-être sur Facebook, mais je dis ici, vous ne l'avez jamais vue. Mais on a eu la grâce, le privilège d'avoir son mari, le pasteur Papi Muchita. Et je me rappelle ce jour-là, il avait prêché un message. Il avait donné le témoignage de sa famille. J'avais tellement pleuré. Ça m'avait tellement touchée. Et ce jour-là, j'ai eu un coup de cœur pour lui, si je peux dire ça. Pasteur Rebecca, tu permets? J'ai eu un vrai coup de cœur. Et aujourd'hui, il a permis à sa femme de venir passer ce moment avec nous. Ils font un grand travail à Lille. Elle n'est pas de la région parisienne, elle est de Lille. Elle s'est déplacée spécialement pour nous ce soir. Et c'est l'oratrice principale. J'aimerais que tu puisses encore continuer à attacher ta ceinture. Parce que je crois que le Seigneur a une parole encore pour toi ce soir. Si tu dormais, j'aimerais vraiment que tu te réveilles. Alléluia! Parce que le Seigneur va te faire tellement du bien. Sans plus tarder, sous vos acclamations encore une fois, je vais inviter le pasteur Rebecca Muchita. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux continuer à clamer pour toi-même ce soir? Merci. Il y a tellement une atmosphère de gloire. Je ne sais pas si vous êtes en train de sentir ce que je suis en train de sentir ce soir. Je ne sais pas si vous êtes connectés autant que moi. Alléluia. Par rapport aux différents messages que nous avons eu à entendre. Que le Seigneur vous bénisse, maman. Que le Seigneur te bénisse, maman. J'étais profondément bénie. Alléluia. Et si toi aussi tu as été bénie par les servantes de Dieu, je voudrais que tu puisses acclamer pour le don qu'elles sont. Oh. Come on, yes. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Oh my God. Il y a des moments comme ça, tu es dans la présence de Dieu. Tu as envie juste de te taire et de recevoir. Tu as juste envie de fermer ta bouche et d'écouter. Tu as juste envie de t'allonger par terre et de pouvoir recevoir la bénédiction de Dieu, les grâces de Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui se passe ce soir en moi. Alléluia. Si je n'étais pas, j'allais rester sur le banc pour continuer à écouter. Amen. J'ai béni le Seigneur pour cette soirée de gloire. Alléluia. Pour cette soirée magnifique, pour cette soirée où le Seigneur est en train de nous parler, où il est en train de pouvoir nous recadrer, où il est en train de nous fortifier, où il est en train de nous booster, où il est en train de nous relever, où il est en train de nous réveiller, où il est en train de nous faire revivre, où il est en train lui-même de donner un souffle nouveau à nos vies dans le nom de Jésus. Et ce soir, je crois qu'une personne qui est venue ne rentrera pas chez elle telle qu'elle est venue, parce que tout ce que je sais, c'est que lorsque nous allons au pied de la croix, ce soir nous sommes au pied de la croix, nous ne pouvons jamais passer au pied de la croix et rester tel que nous sommes, jamais, jamais, parce que sinon la croix n'aura aucune signification. Mais je sais que la croix, c'est le lieu de la transformation. Je sais que la croix, c'est le lieu du changement. Je sais que la croix, c'est le lieu du Shaya. Le Shaya qui veut tout simplement dire renouveau, renaître, revivre. Je sais que la croix, c'est le lieu où les gens morts sont réveillés et éveillés. Je sais que la croix, c'est là où le Seigneur a crié « Tout est accompli ». C'est pourquoi ce soir, je suis en train de proclamer dans la vie d'une femme, dans la vie d'un frère qui est présent, que tout est accompli dans ta vie. C'est pourquoi ce soir, tu dois sécher tes larmes, tu dois arrêter de promener des regards inquiets, parce que Christ, ton Sauveur, est mort sur la croix pour toi. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Oh my God, yes! Praise the Lord Jesus! Oh yes, 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 yes! Merci Seigneur! Je vais très rapidement
comme nous disons, faire les civilités. Je remercie mon apôtre. Il était là quelque part, je l'ai vu. Mon apôtre. Je remercie l'apôtre Douglas. Alléluia. De m'avoir cédé sa chair ainsi que la servante de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ainsi que toute l'équipe qui travaille autour du couple pastoral. Et vous qui êtes là ce soir. Amen. Parce que c'est vrai que si nous tenons le micro pour prêcher, nous parlons au peuple de Dieu. Si vous n'êtes pas là, nous prêcherons les bancs vides. Mais gloire à Dieu parce que vous êtes là ce soir. Amen. C'est-à-dire que quand tu es là présent, tu es béni, je suis aussi béni. Amen. Ne me considère pas comme quelqu'un qui va apporter quelque chose simplement dans ta vie, mais je veux que ce soir nous puissions nous estimer, c'est-à-dire autant tu m'estimes, autant je t'estime. Amen. Autant tu reçois de moi, autant je reçois de toi. Alléluia. La vie chrétienne est une vie de partage. Je suis pasteur Rebecca, comme m'a présenté la servante de Dieu, Maman Lydie. Je œuvre au niveau à la Cité de Gloire, l'église la Cité de Gloire qui est précisément localisée à Marc-en-Barœul, dans le nord, à Lille. Et je suis sincèrement et sérieusement mariée à un seul homme. Alléluia. Il y a des gens qui sont mariés, mais moi je suis sincèrement mariée et je suis sérieusement mariée à un seul homme, le Miss Univers. Il s'appelle le pasteur Papi Mouchita. Amen. Un homme bien et un homme qui me fait du bien. Alléluia. Dans tous les sens du terme. Amen. Et j'ai béni le Seigneur d'être là présent ce soir. Le Seigneur m'a mis à cœur ce soir de juste encourager une femme. Amen. Je pense que tout a été dit. Parce qu'à chaque fois que la sœur Oli est en train de prêcher, j'ai dit, ah, mais ça, c'est ce que je devais dire. À chaque fois que maman dit, mais ça, c'est ce que je devais dire. Je dis, mais qu'est-ce que je veux prêcher? Alléluia. Mais je sais que Dieu nous parle. Alléluia. Et Dieu a toujours quelque chose à rajouter pour son peuple. Réveille-toi, Déborah. Je ne suis pas venue seule, excusez-moi. Je suis venue avec une délégation de Déborah aussi qui sont réveillées. Amen. Donc, je m'arrêterai très rapidement, souffrez que je puisse les présenter. Amen. Donc, j'ai la maman Odile qui est là. Si nous pouvons acclamer, elle fait partie du... Elle travaille avec moi dans le comité de femmes. Et elle fait un travail extraordinaire. Alléluia. Et j'ai ma fille qui est là. Amen. La sœur Emilia. On l'appelle Elombe. Pourquoi Elombe? Parce qu'elle interprète tellement bien le chant. Elombe Nabiso Yaya. Amen. Si vous permettez, elle chantera ça tout à l'heure. Et elles font un travail extraordinaire. Amen. Elle est responsable adjointe de notre groupe musical. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous avons maman Agnès qui est là aussi. Elle fait partie du comité de femmes. Elle est responsable dans le département de femmes chargée de suivi des femmes de gloire. Amen. Donc, elle fait aussi un travail extraordinaire avec moi. J'ai ma fille aussi qui est là, la sœur Brita. Amen. Elle est chantre et elles font ma joie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Réveille-toi, Déborah. Alors, le sous-thème que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est prendre les choses en main. Ou plutôt, prends les choses en main. Vous savez, la femme, nous parlons de la femme ce soir. La femme, nous pouvons le parler en tant qu'être physique que vous êtes. Nous pouvons parler de la femme en tant qu'église. Mais j'aimerais d'abord, dans un premier temps, parler de la femme que vous êtes, que je suis. Amen. La femme est, je dirais, un être complètement complet. Dis à ta voisine que je suis une personne complète. Parce que figurez-vous que si vous n'étiez pas créé, Dieu, jusqu'à maintenant, allait continuer à prendre de la poussière, à créer l'homme, à façonner le nez, les yeux. Amen. Mais le Seigneur, il a voulu faire de toi, justement, participante, alléluia, de la création.
Alléluia. Il a fait de toi participant de la création. Il a mis en toi la machine de reproduction. Les enfants viennent de Dieu, mais ils passent par la femme. Amen. Et la grâce la plus absolue qui nous a été accordée en tant que femme, c'est tout simplement que le sauveur de l'humanité, Christ, est passé aussi par la femme. Je suis désolée pour les personnes qui prient Marie. Amen. Marie n'était qu'une enveloppe. Je la respecte. Amen. Et nous le respecterons toujours. Mais elle était qu'une enveloppe. Alors, lorsque tu reçois un courrier très important, tu n'es pas très attiré par l'enveloppe, n'est-ce pas? Que l'enveloppe a subi des... Voilà, qui c'est un peu tordu ou quoi que ce soit. Tu n'es pas très attiré par l'enveloppe. Ce qui t'intéresse, toi, c'est le contenu qui est dans l'enveloppe. C'est la lettre qu'on t'envoie dans l'enveloppe. Alors, Marie, bien évidemment, elle a été une aide pour pouvoir transporter cette lettre qui nous a été destinée, qui est Christ. Amen. Cette lettre dont le contenu me concerne et te concerne, toi. Par ce contenu, nous avons été sauvés, nous avons été régénérés, nous avons été renouvelés. Alléluia. C'est pourquoi je veux que tu comprennes d'abord ta position en tant que femme, parce qu'il y a deux fois des femmes qui se sous-estiment, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, qui ne comprennent pas leur importance. C'est pourquoi ce soir, je suis venue te dire que tu as une importance capitale, alléluia, dans la tournure de choses, amen, dans les choses à venir et dans les choses présentes. Tu as une importance capitale et tu as un rôle très déterminant à pouvoir jouer dans la création et dans l'humanité, dans ta famille, dans l'église et dans la société. Alléluia. Alors, je veux que tu comprennes déjà lorsque je suis en train, parce que je ne vais pas rentrer en détail par rapport à ça, je veux que tu puisses déjà te mettre en position en te disant que je suis une personne complète. Et non seulement je suis complète, je suis très importante. Alléluia. Je suis très importante pour la personne qui est assise à côté de moi. Je suis très importante pour mon mari. Je suis très importante pour l'église. Je suis très importante pour la société et ma famille. Amen. Je suis très importante pour le monde. Amen. Alors nous voyons l'histoire de Déborah. Vous savez, après la mort de Josué, il y a eu 4 juges. Le premier était Oniel, c'est un homme, rien de surprenant, n'est-ce pas? Alléluia! C'était un homme, rien de surprenant, c'est normal. Dans l'ancienne culture en Israël, un homme soit juge, tout à fait normal. Le deuxième, je crois, fut Ehud, ou Ehud, ça dépend comment vous le prononcez. Et encore là, rien de surprenant parce que ce fut un homme. Dans l'ancienne culture, qu'est un homme soit un juge, il n'y avait rien de surprenant, c'était tout à fait normal. Le troisième fut Shamgar. Alléluia. Et là encore, rien de surprenant parce que ce fut encore un homme. Tout à fait normal. Je me rends vers le juge pour pouvoir avoir la solution à mes problèmes. Je rencontre un homme, c'est tout à fait normal. Alléluia. Mais le quatrième juge a quelque chose de particulier. Alléluia. A quelque chose de particulier parce que le quatrième juge ne fut pas un homme, mais fut une femme. Mais quelle femme? La Bible parle de la prophétesse Déborah. Alors, comme on l'a entendu tout à l'heure, j'aimerais revenir un peu sur la signification parce que c'est vrai que dans l'ancien temps, que le nom n'était pas donné par hasard. Amen. C'est-à-dire qu'en Israël, lorsque un enfant était né, on ne lui donnait pas un nom comme on le fait aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, dès que tu sais que c'est un enfant en troisième échographie, elle s'appellera Jessica. Mais en Israël, ce n'était pas le cas. Tu sais que c'est un garçon, Jason. En Israël, ce n'était pas le cas. En Israël, c'est-à-dire que l'enfant, quand il venait, quand il naissait, on le laissait 8 jours. 8 jours, pourquoi? Il regardait le caractère de l'enfant. Vous voyez, très souvent, les mamans, quand vous mettez au monde, vous voyez les enfants, vous dites, elle là, non, elle, ça sera là, c'est le maman forte. Alléluia. Tu commences déjà à définir comment, parce que tu vois les caractéristiques d'une femme forte dans ton bébé. C'est-à-dire que cette personne qui ne parle pas encore, cet être qui est encore sensible et est complètement dépourvu de tout ce qu'on peut avoir en étant adulte. Mais tu sais déterminer que cet enfant-là sera une femme vaillante. Tu sais déterminer par rapport à sa façon d'être. Amen. Même à sa façon de téter. Même à sa façon de prendre son biberon, tu veux dire que ce garçon-là, même dans le ventre, il était en train de donner le coup. Certainement, ça serait un boxeur. Alléluia. Alors, en Israël, on laissait 8 jours pour pouvoir définir
le nom ou donner le nom à un enfant. C'est-à-dire que la parole de Dieu, la Bible, donne un sens, ou Dieu lui-même apporte justement une importance capitale au nom que nous portons, au nom qu'il donnait dans la Bible. Notre sœur, elle a dit tout à l'heure, la servante de Dieu, elle a parlé d'Abraham qui a été, Abraham qui a été changé à Abraham. Alléluia. Parce qu'il y a une signification qui colle justement au nom. Et le nom que tu portes sans le savoir peut exercer une influence ou exerce une influence dans ta vie sans que tu puisses le savoir. C'est pourquoi, femme que vous êtes là, entre parenthèses, faites attention au nom que vous donnez aux enfants. Faites attention au nom que vous donnez aux enfants. Je sais que parfois, il y a 20 ans de cela, il y avait un feuilleton qui passait, on appelait ça le feu de l'amour, je crois. Et chaque maman donnait le nom des enfants, des personnes, personnages de la série, Cricket, je ne sais plus quoi. Mais je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu remarqueras que dans la vie de cette fille, ben, elle avait vraiment le comportement de Cricket. Alléluia. Mais je reviens à notre sujet. Ça, c'était une parenthèse. Alors, on a dit que Déborah était une prophétesse. Après la mort d'Ehud, le peuple de Dieu se détourna de commandement de Dieu. Et Dieu les livra entre les mains de Yabin. Le Yabin était le roi de Canaan. Amen. Il avait comme général un homme cruel. Alléluia. Un homme cruel. Son général des armées était un homme cruel. Il s'appelait Sisera. Amen. Et la Bible déclare que son armée avait des chars de fer. Et son armée était vraiment très, très, très bien entraînée. Les enfants d'Israël ont souffert pendant plus de 20 ans sous le règne de Yabin. C'est-à-dire que Sisera leur faisait la misère. Au point où ils n'en pouvaient plus, ils ont commencé à gémir, à pleurer. À pleurer, à demander au secours à Dieu. Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre secours. C'est comme peut-être ce soir ton état. Tu es tellement martelé, tellement acculé. Le diable t'oppresse tellement. Tu ne sais plus où donner de la tête. Tu commences à crier au secours. Et je crois que lorsque tu viens à ce lieu, c'est juste ta façon de manifester justement le cri auprès de Dieu qui vaut justement l'appel au secours de l'intervention divine dans ta vie. Alors Sisera était en train de mépriser le peuple de Dieu. Il est traité avec violence. Alléluia. Et le peuple était fatigué. Ils n'en pouvaient plus. Ils ont commencé à appeler de l'aide à Dieu. Ils ont commencé à demander au Seigneur à lancer des SOS. Alléluia. Et le Seigneur a ce justement question, à cette demande. Le Seigneur n'a pas envoyé un homme musclé. Il n'a pas envoyé un homme baraqué. Il n'a pas envoyé un homme bien bâti. Le Seigneur leur envoya une femme. C'est pourquoi, femme, je veux te dire ce soir qu'au problème des hommes, au problème de l'humanité, au problème de ta famille, Dieu ne peut ne pas envoyer une personne hautement qualifiée. La Bible déclare qu'il prend les choses folles, alléluia, pour confondre les sages. Et à cette époque-là, pouvoir envoyer une femme pour pouvoir aller libérer son peuple ou remporter la victoire dans une bataille, dans une guerre, était une histoire folle, était un sujet fou. Alléluia, on ne pouvait pas s'y attendre, mais Dieu n'a pas envoyé un homme baraqué, n'a pas envoyé un homme musclé, n'a pas envoyé un homme avec toute sa virilité, mais il a envoyé une femme avec la sensibilité de la femme, mais avec l'onction royale dans sa vie. C'est pourquoi je veux dire à une femme ce soir, qu'elle ne te regarde pas en tant que femme, ne te dis pas que non, moi je suis faible, ne te dis pas que non, moi je ne suis pas encore mariée, mariée ou pas mariée, cela ne te disqualifie pas devant Dieu. Oh, travail ou pas travail, cela ne te disqualifie pas devant Dieu. Mais ce qui te qualifie devant Dieu, c'est ton positionnement. Alléluia. Et lorsque nous voyons la vie de Déborah, nous voyons que c'était une femme qui était positionnée. Comme on dit, c'était une femme qui avait la tête sur ses épaules. C'était pas une femme vacillante. C'est une femme qui savait où elle se tenait. Et on a vu tout à l'heure la signification de Déborah qui signifie abeille. Vous savez, la nature de l'abeille, c'est qu'elle est défensive. Alléluia. Dis à ta voisine, je suis défensive. C'est-à-dire que c'est une personne qui se tient, qui est prête à attaquer lorsque on le dérange ou on l'attaque. C'est-à-dire que lorsqu'on siffle le sifflet, on dit « Ah, combat !»
cette personne-là, elle est prête à pouvoir prendre les armes. Et ainsi était la nature de Déborah. Et lorsque nous voyons tout le récit après, nous voyons réellement qu'elle reflétait bien son nom, n'est-ce pas? Parce que c'était une femme qui n'avait pas peur. C'était une femme qui avait de l'audace. Mais c'est une femme surtout qui avait l'appui de Dieu. Amen. Et cette femme-là qui avait la nature justement défensive, c'est-à-dire que lorsqu'elle voyait des choses, des situations qui commençaient à troubler le peuple de Dieu, elle n'hésitait pas à se lever et à aller au front. Amen. Et le Seigneur ce soir encore est en train de chercher des femmes lorsque les choses ne vont pas bon train à l'église, lorsque les choses ne vont pas bon train dans leur famille, lorsque nous entendons dans les informations tout ce qui se passe au niveau de l'éducation, le Seigneur est en train de chercher des femmes qui n'ont pas froid aux yeux, qui n'ont pas peur de dire les vérités de Dieu, qui n'ont pas peur justement de pouvoir proclamer la parole de Dieu et remettre les choses éternelles, de remettre les choses à leur pendule, de remettre les choses droit selon les vérités bibliques, selon les principes bibliques. Et Dieu se cherche ce genre de femmes, Dieu se cherche des Déborah qui vont se lever, qui vont se lever et pour pouvoir passer justement à la défensive, pas à l'offensive mais à la défensive. Une personne qui se défend, c'est pas une personne qui reste dans la passivité, mais c'est quelqu'un qui est active. C'est une personne qui est active. L'abeille a la nature défensive. C'est-à-dire que lorsqu'on vient l'attaquer, elle se défend. Et sa deuxième nature, c'est qu'elle est très sociable. Elle évolue en groupe. Alléluia. Elle évolue en groupe. Une femme normalement constituée, c'est pas une femme qui reste seule. Parce que la nature de la femme attire. Alléluia. La nature de la femme attire. C'est pourquoi vous voyez que la Bible déclare que Déborah, elle siégeait et tout le peuple venait vers elle. Et elle jugeait le peuple. C'est des personnes qui venaient vers Déborah. Et je crois que cette personne qui était très sociable avait une bonne nature, donnait de bons jugements et de bons conseils. Sinon, tout le peuple n'allait pas aussi la respecter autant que la Bible nous le dit. Amen. Beaucoup même, il y avait même des hommes. C'était imaginable à l'époque que les hommes puissent aller auprès d'une femme pour aller se faire juger, pour aller demander de l'aide, pour aller demander du secours. C'était imaginable. Mais alors, lorsque nous voyons tout ce que Dieu a fait avec cette femme, la Bible, lorsqu'elle donne des précisions, il ne faut pas les négliger. Quand la Bible parle de Déborah, elle dit premièrement, Déborah, prophétesse. Ensuite, épouse d'eux. Ensuite, juge en Israël. La Bible commence d'abord à donner sa position, sa relation avec le Seigneur, parce que c'est de sa relation avec Dieu qu'elle tirait la force d'être une bonne épouse, qu'elle tirait la force d'être justement un bon juge. Et ce n'était pas le contraire. Je veux bien qu'on nous prêche que la femme doit aimer son mari. Ça, c'est la Bible et c'est biblique. Alléluia. Le contraire, c'est diabolique. Que la femme doit respecter son mari, c'est biblique et c'est dans la Bible. Le contraire, c'est diabolique. Mais je ne veux pas qu'une femme qui n'est pas mariée en ce lieu puisse se sous-estimer parce qu'elle n'a pas un homme. Non, 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 non. La Bible déclare que Christ est le mari idéal. Lorsque tu as Christ en toi, tu es accompli. Amen. Il peut faire même ce que ton homme physique ne peut faire. Il peut accomplir ce qu'aucun homme sur la terre peut faire. Et d'ailleurs, vous savez pourquoi? Malgré que je suis mariée à un très bel homme, j'ai besoin de Christ. S'il me suffisait, j'allais croiser mes mains et m'asseoir tranquillement. Mais il ne me suffit pas. C'est pourquoi je cours auprès de Christ. C'est pourquoi je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de ton appui. Seigneur, j'ai besoin de ton soutien. Alléluia. Pour que je puisse me mettre debout présentement devant vous pour parler de sa part, bien-aimé. Il n'a pas fallu la force qui vient de mon mari. De sa permission, oui. De son autorisation, oui. Mais la force par laquelle je suis en train de parler des vérités bibliques, c'est la force de mon époux par excellence qui est Christ. Amen. C'est pourquoi je suis en train de dire que lorsque la Bible donne certaines précisions, il ne faut pas les négliger. Elle était d'abord prophétesse. La Bible met en évidence, premièrement, sa relation avec Dieu. C'est pourquoi ce soir, femme, je veux te parler de ta relation avec Dieu.
Quelqu'un me dira, montre-moi la manière dont tu sers Dieu, je te dirai qui est Dieu pour toi. Montre-moi la façon dont tu adores Dieu, je te dirai qui est Dieu pour toi. Montre-moi la manière dont tu loues ton Dieu, je te dirai qui est Dieu pour toi. Montre-moi la manière dont tu pries quand tu es seul avec ton Dieu, et je te dirai qui est Dieu pour toi. La relation que tu dois privilégier au-dessus de tout, ce n'est pas la relation avec tes amis, ce n'est pas la relation avec ton père, ce n'est pas la relation avec ta mère, ce n'est pas la relation avec ton employeur, mais c'est la relation avec Dieu. Parce que cette relation-là avec Christ te donne de le sens, te donne l'autorité, te donne le pouvoir, te donne la force, te donne la capacité de pouvoir gérer chaque facette, chaque domaine de ta vie. Nous pouvons venir nombreuses à l'église, mais j'aimerais que ce soir, nous apprenions à soigner notre relation avec Dieu premièrement. J'entends souvent les gens, et ça me désole, dire que les femmes sont vraiment à l'église, sont toujours à l'église, ils s'occupent de leurs enfants, ils ne s'occupent pas de leur femme, de leur mari, pardon. C'est faux. C'est que ta relation avec Dieu n'est pas soignée, n'est pas équilibrée. Alléluia. C'est faux. Je vous conseille d'être tous les jours à l'église, mais que vous sachiez faire la part des choses. Que vous soyez des femmes équilibrées. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que vous savez, Déborah passait du temps sous le palmier. Mais on n'a jamais eu un problème dans la Bible où justement son mari, c'est qui? Lapidote, c'est là où il venait se plaindre parce que sa femme ne lui faisait pas manger. Jamais. Où sa femme ne s'occupait pas de la maison. Jamais. C'est pourquoi j'ai pris soin de dire tout à l'heure que Déborah était une femme équilibrée. Elle savait bien faire les choses. C'est pourquoi je suis en train de dire que celui qui donne le mariage, c'est Dieu. Et lorsque tu as Dieu, tu sauras bien tenir ton mariage. Celui qui donne les enfants, c'est Dieu. Lorsque tu as Dieu, la source, tu sauras bien éduquer tes enfants. Mais si tu penses que tu vas éduquer tes enfants selon ta science, selon que tes parents t'ont dit, que tu vas échouer. Alléluia. Parce que les empreintes qui doivent rester dans la vie de nos enfants, c'est les empreintes de la parole de Dieu. Parce que ce sont elles, justement, qui sont infaçable dans la vie. La Bible déclare quoi? Apprends l'enfant la voie qu'il doit suivre quand il est encore petit. Quelle voie? Quelle voie? La voie des séries télévisées? Quelle voie? La voix, non, parce que nous, chez nous, dans notre tribu, les arrière-arrière-parents faisaient ça. C'est cette voix. La voix du Seigneur. La voix du Seigneur. Aujourd'hui, nous devons apprendre à équilibrer nos vies, à être des femmes comme Déborah. Premièrement, prophétesse. Mettre en évidence, soigner premièrement sa relation avec Dieu. Attention, quand je dis relation avec Dieu, ça ne veut pas dire que venir H24 à l'église. Non. Je parle de la relation de ton intimité avec le Seigneur. Premièrement, beaucoup nous venons à l'église. On a dit tout à l'heure que caractéristique de la femme, c'est que les femmes parlent beaucoup. On sait, vous et moi, que c'est pas faux, c'est vrai, n'est-ce pas? Mais là encore, nous voyons à l'image de Déborah, cette femme qui parlait beaucoup. Alléluia, être juge. À chaque instant, tu donnes des sentences. À chaque fois, des gens venaient monter pour venir la consulter. Et j'ai dit tout à l'heure que si les gens venaient la consulter, c'est parce que c'était une personne qui promulguait des bons conseils, qui donnait des bons jugements. Et ses sentences étaient justes. C'est pourquoi c'est l'une des femmes les plus célèbres de la Bible. Et la preuve en est que ce soir, on parle encore d'elle. C'est-à-dire que lorsque nous nous attachons à Dieu, lorsque nous soignons notre relation avec le Seigneur, même après notre mort, on parlera de nous. Même après notre mort, on parlera de nous. Et je veux que ce soit par ta relation avec Dieu, tu sois la femme qui marque l'histoire, qui marque ta génération, qui marque l'histoire de ton église, qui marque l'histoire de ta famille, qui marque l'histoire de ta ville, qui marque l'histoire de ton pays. Mais d'où qu'on est
d'où on te connaît. Seulement dans ton quartier. Seulement dans ton lycée. Seulement à la fac. Déborah, elle avait une popularité qui avait atteint tout le territoire d'Israël à cause de sa relation avec Dieu. La Bible déclare, cherche premièrement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, tu ne le cherches pas forcément en venant chaque dimanche à l'église, mais en ayant cette connexion permanente avec ton Créateur. Et tout le reste, tout ce que vous cherchez, vous viendra par-dessus tout. Vous sera donné par-dessus tout. Je ne sais pas ce que tu cherches ce soir. Peut-être le mariage. Peut-être les enfants. Peut-être la santé. Peut-être le travail. Peut-être les finances. Je ne sais pas. Peut-être la réconciliation avec ton mari ou l'harmonie dans ton couple. Je ne sais pas. Mais tout ce que je veux te dire ce soir, femme, pour que tu sois équilibrée, pour que tu puisses briller, pour que tu puisses réussir, apprends à soigner ta relation avec Dieu. La Bible déclare que apprends à séparer ce qui est vil de ce qui est utile. Parce que parfois, les femmes, nous demeurons trop dans tout ce qui est vil, dans ce qui ne nous apporte rien, dans ce qui ne construit pas. La preuve en est, nous parlons tout à l'heure, nous avons dit que nous passons notre temps à critiquer. Nous passons notre temps à dire, ah, la maman pasteur aujourd'hui, comment qu'elle s'était habillée à l'église. Hein? T'as pas vu, hein? Ah non, mais là, le frère, là, comment qu'il a bien aimé. Ça, ce sont les caractéristiques des femmes, mais pas des Déborah. Ce sont les caractéristiques des femmes, mais pas des Déborah que vous êtes. Et d'ailleurs, tout ce que je suis en train de dire, je sais que ça ne vous concerne pas. Je parle pour les gens qui sont dehors là-bas, pas pour vous. Alléluia. Soigne ta relation avec Dieu. Et tu verras que Dieu va te faire briller. Elle était prophétesse. Après, elle était épouse. Permettez-moi de revenir encore là-dessus. Lorsque tu es épouse, tu as un engagement. Tu as un contrat, pas un contrat papier, mais un contrat de cœur. Et tu te dois de pouvoir t'acquitter de tes obligations. Si aujourd'hui, beaucoup de hommes, parce qu'il y a des femmes qui sont chrétiennes, qui servent le Seigneur, mais leurs maris sont encore, ne sont pas encore gagnés en Christ, je dirais ça comme ça. Mais si aujourd'hui, on est sujet à beaucoup de moqueries dans le monde, pour ceux qui regardent les théâtres, dans les théâtres, c'est à cause de nous-mêmes. C'est à cause de nous-mêmes. Alors, après cette veillée, il faudrait que nous puissions nous réveiller de cet état. Il faudrait que nous puissions nous réveiller de cet état. Se réveiller n'est pas forcément dire dormir, mais prendre conscience. Quitter cet état de passivité. Cet état où on voit que les choses ne vont pas, mais on ne fait rien. Décider de pouvoir changer les choses. Décider de créer une atmosphère de gloire. Décider de créer un shift. Aujourd'hui, l'Église est méprisée. L'Église a comme perdu de son autorité. Nous le voyons, la manière dont les gens parlent des églises aujourd'hui. Et c'est lamentable. Mais je sais que si les femmes se lèvent, l'état d'Israël était lamentable. Mais quand Déborah s'est levée, elle a changé la situation. Elle a changé la donne. Et je sais que femme, ce soir, tu es capable de pouvoir changer cette situation. De sorte que l'Église puisse reprendre de son autorité,
de sa place, de sa bonne renommée par ton comportement, ton attitude. Tout à l'heure, la servante de Dieu disait que parfois, on ne vient pas simplement avec des versets. Je peux vous citer Jean, chapitre 3, verset 16. Ah, car Dieu a tant aimé, je vous juge, chapitre... Oui, mais qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce que vous allez en faire? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, mais combien de fois tu entends la parole de Dieu? Pourquoi les choses ne changent pas? Tu déclenches même chaque matin chez toi la Bible est lue. C'est-à-dire qu'il y a de ces sites où tu mets la Bible, elle est en train quelqu'un est en train de lire la Bible pour toi en fait. Et là, tu crois que tu es vraiment spirituel. Oh my God, si tu fais ça, ce n'est pas un péché. Continue. Continue. Mais continue bien. Alléluia. Si tu le fais, continue, mais continue bien. Tu vas te réveiller le matin, tu vas mettre un site où le chant passe en boucle, en boucle, en boucle. Et là, tu crois que l'esprit est... Continue. Mais ça fait combien d'années que tu fais ça? Ça fait combien de mois que tu fais ça? Ça fait combien de semaines que tu fais ça? Est-ce que ça accuse un changement dans ta vie? Femme, nous devons changer la donne. Nous devons nous réveiller. Et lorsque nous allons plus loin, toujours avec notre prophétesse Déborah, la Bible donne une information très importante. La Bible déclare que Déborah, elle habitait sur les montagnes. Alléluia. Sur les montagnes. La montagne est un lieu élevé. Amen. La montagne est un lieu élevé. Et ce lieu élevé, c'est là où Dieu nous veut. La Bible déclare que vous êtes comme une maison située sur une colline. Une maison qui est située sur une colline, bien-aimée, on ne le regarde pas les yeux en bas. Pour pouvoir regarder cette maison, on doit lever la tête. Amen. Et le positionnement que Dieu veut donner à la femme, veut donner à l'église, c'est cette place en hauteur. Alléluia. Afin que les gens puissent voir toujours plus haut. Amen. Vous voir toujours plus haut. C'est fini cet état, ce moment, cette période où les gens te regardent, ils te regardent de bas comme ça. C'est fini. Dis-moi, je ne suis pas une personne qu'on doit regarder de bas pour que tu me regardes. J'ai pas dit qu'il faut aller acheter des loups boutins qui sont à 13 cm pour qu'on te regarde, qui sont au perché. Mais je suis en train de parler de cette grâce qui te qualifie, qui te fait grimper les échelons, de sorte que tu te distingues de la masse. Alléluia. De sorte que tu ne restes pas dans le poulailler, mais que tu sois un aigle. Alléluia. Mais que tu fais des lieux élevés ta demeure. Amen. Et c'est cet positionnement que le Seigneur veut pour toi, femme. Le Seigneur ne veut plus que tu restes dans les choses bas. Le Seigneur ne veut plus que tu restes dans la bassesse. Le Seigneur veut faire de toi une couronne de gloire, veut faire de toi une maison située sur une colline afin que quiconque passe doit te voir. Vous savez, à quelques kilomètres quand tu traverses la ville de Paris, que tu le veuilles ou pas, la tour Eiffel t'impose sa présence. Même si tu dis, hey, je ne vais pas voir, tu vas voir. Alléluia. Quand tu marches, elle t'impose, elle te dit, je suis là, tu dois me regarder. Amen. Et même si tu l'as regardé pendant, depuis que tu es né, tu as grandi à Paris, tu es né à Paris, tu seras toujours curieux de voir la tour Eiffel. Alléluia. Elle t'impose sa présence. Et c'est ce que le Seigneur veut. C'est pourquoi il dit, je veux que vous puissiez dominer. Amen. Nous devions être de Dieu des personnes justement qui règnent, qui dominent. Nous devons être sur des chevaux. Mais nous sommes en train de marcher à pied comme des esclaves. Là n'est pas notre place. Là ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est pourquoi le Seigneur veut relever la situation d'une personne ce soir en te disant que je veux que tu sois comme Déborah, que je puisse te positionner dans les hauteurs. Mais pour cela, il faut que tu soignes d'abord ta relation avec moi pour que je te propulse vers le haut. La Bible déclare que elle était sur les montagnes et c'est là que les gens montaient pour aller
la consulter. Mais cette montagne était située entre Ramah Bethel, c'est-à-dire que c'est là où il y avait vraiment des abominations comme pas possible. Alléluia. C'est là qu'il y avait des... C'est-à-dire qu'elle était au milieu, malgré qu'elle était sur la montagne, mais elle était au milieu des abominations de cette vie de péché. Mais elle a su faire la différence. Malgré qu'elle vivait au milieu du péché, elle a su faire cette différence. Le Seigneur veut que tu puisses faire la différence. Malgré tout ce que nous voyons dans ce monde. Nous sommes en train de dire, la servante de Dieu a dit tout à l'heure que le monde va mal. Oui, le monde va mal. Tout ce qui était normal, tout ce qui était anormal devient normal. Tout ce qui était normal, anormal plutôt, devient normal. Le monde va mal. Mais le Seigneur se cherche 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux. Je répète, le Seigneur se cherche aussi des femmes qui n'ont pas fléchi les genoux. Même si tu vis dans ce monde où il y a plein de péchés, où les mœurs sont complètement renversées, le Seigneur se choisit des femmes pour pouvoir justement tenir bon, pour pouvoir tenir ferme et ne pas rentrer dans des compromis. Dans combien de compromis t'es-tu engagé? Combien des amis t'ont fait quitter la voie du Seigneur? Combien même les membres de ta famille t'ont orienté vers le mal? Mais la Bible dit que Déborah, elle était dans les auteurs, mais au milieu de ce peuple rempli de péché. Mais malgré ça, elle était intègre et droite. Et cela me fait rappeler à l'histoire de Daniel à Babylone. Shadrach, Meshach, Abednego. Malgré qu'ils étaient au milieu de ce peuple païen qui ne connaissait pas Dieu, mais ils ne se sont pas souillés. Ils ne se sont pas laissés corrompre. Ils ont gardé leur foi intacte. Le Seigneur cherche des femmes qui gardent leur foi intacte. Non, je ne me prostituerai pas. Je garderai ma foi intacte parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si aujourd'hui je ne me marie pas, demain je me marierai. Non, je ne succomberai pas à l'impudicité parce que je sais que cela déplaît à mon Dieu. Même si mes amis ont des petits copains, mes amis ont des petites copines, mais moi, je ne me souillerai pas. Je n'accepterai pas tous ces plats que me donne ce monde, tous les mets qui sont présentés gratuitement comme ça. Je me garderai pur pour satisfaire mon Dieu, pour soigner ma relation avec Dieu. La vie chrétienne d'aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était avant. Elle n'est plus ce qu'elle était avant. Et nous le voyons dans bien de choses. Cette vie chrétienne où on servait le Seigneur avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup de crainte, avec beaucoup de tremblement. Alléluia. Où tu sentais l'amour du prochain. Amen. À l'époque, il n'y avait pas trop de problèmes de moi, je quitte l'église, moi ceci, c'est là, parce que la sœur m'a regardé de travers, on va se battre. Il n'y avait pas ce genre de problème. Il n'y avait pas ce genre de problème. Avant, à l'époque, on se fréquentait dans les maisons, la sœur est malade, je vais aller la rendre visite. Et maintenant, même la personne malade ne veut pas que les gens viennent la rendre visite. C'est-à-dire que la personne, elle est malade, mais elle ne veut pas que tu viennes chez elle. Parce qu'elle s'est dit, quand elles viennent chez moi à la maison, quand elles sortent, c'est avec des informations. Ça fait partie des compromis. À l'époque, c'était, tu viens à l'église, tu vois un frère qui a une chemise à peu près. Tu dis, ah, il faut que je lui prenne une chemise.
avec un bon cœur. Amen. Tu prends une chemise et discrètement, tu viens lui donner sa chemise. Tu dis, ah, j'ai pensé à toi, j'ai acheté une chemise. Amen. Mais aujourd'hui, quand tu penses même dans ton cœur, on a l'impression que c'est écrit sur ton front que j'ai acheté pour le frère Maxime une chemise. Et une servante tout à l'heure a dit que l'amour n'est plus ce qu'elle était. L'amour s'est refroidi. Et le Seigneur cherche des Déborah qui vont se réveiller pour pouvoir réveiller cet état. Pour pouvoir réveiller l'amour dans le cœur. L'amour, s'il s'est refroidi, il faut le réveiller, il faut l'exciter. Il faut le faire revivre, il faut le faire renaître. Alléluia. Vous savez, tout ce que je dis, ce n'est pas tout ce que j'écris. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me conduit comme ça, mais on va faire comme il veut. Et Déborah, elle habitait sous un palmier. Elle se positionnait sous un palmier. Vous savez, un palmier, les feuilles, si vous voulez, les feuilles regardent vers le ciel, se tournent vers le ciel. Pour dire tout simplement que c'est une personne qui dépendait complètement de Dieu. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Déborah avait fait de l'Éternel son abri sûr. C'est pourquoi lorsqu'il y a eu ce problème d'aller combattre, monter contre l'armée que dirigeait Sisera, Barak eut peur. Barak eut peur. Un homme a eu peur. Les hommes se sont enfuis. Elle dit, mais moi, Déborah, je me suis levée comme une mère en Israël. Le Seigneur cherche des mères qui se lèvent. Il y a un prédicateur qui avait dit, je pense que c'est mon mari qui a prêché, il racontait une histoire dans sa prédication, il disait que un jour, il y a un enfant qui est parti puiser de l'eau dans un village, et il a rencontré une bête féroce. Et la bête féroce l'a attrapé dans sa gueule. Et on entendait les cris de l'enfant. Vous savez, les hommes sont toujours très raisonnables parfois, hein? Mais les femmes, elles agissent avec le cœur et avec les tripes. La femme a dit, mais ça c'est mon enfant. Elle a commencé à chercher toutes les armes qu'elle pouvait, les bâtons, les couteaux pour aller affronter cet animal. Mais l'homme le retenait. Non, 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 ne pars pas, ne pars pas. Parce qu'il se disait dans sa raison que si tu pars là-bas, la bête allait aussi te tuer. Mais la femme, c'était plus fort qu'elle. Elle a senti ses entrailles. Elle a dit, ça c'est le fruit de mes entrailles. Quand on est femme, on est mère. On est porteuse de vie. Et on ne peut pas accepter une atmosphère de mort autour de nous. Parce que tout en nous, c'est la vie. Tout en nous, c'est la vie. La femme a dit, j'irai et je tuerai cet animal. Et l'homme retenait cette femme. Non, ne pars pas. Son mari le retenait. Non, ne pars pas. Mais pendant que l'homme retenait, la femme se débattait. Je vais aller. Mais je me dis, mais cette femme, quelle force elle avait quand l'homme a peur? Toi, quelle force tu as pour aller affronter cette bête féroce? L'amour crie plus fort que la mort. L'amour crie plus fort que la mort. Lorsque nous sommes animés de l'amour, il y a certaines choses que nous pouvons supporter. C'est-à-dire, nous supporter les unes les autres. Un jour, j'étais en train de méditer. Vous savez, moi, quand je ne sais pas, j'ai dit que je ne sais pas. Je ne vais jamais vous dire, ah, moi, je fais ça quand je ne le fais pas. C'est faux, ça, c'est pas moi. J'étais en train de méditer. Le livre de l'amour, vous connaissez le chapitre de l'amour, 1 Corinthiens chapitre 13. Alors je méditais, j'ai dit, oh, j'ai entendu une voix me dire, mais Rebecca, remplace un peu le mot amour par ton prénom. Hein? Vous savez quand on dit l'amour ne se vante point, l'amour ne s'irrite point, l'amour,
Et je commençais à dire, Rebecca, ne se vante pas. Ah, j'ai vu ma bouche commencer à se tordre. Je dis, ça, c'est faux, ça. Amen. Je dis, Rebecca. Moi-même, j'hésitais. Je dis, est-ce que je peux vraiment dire ça? Ah, amen. Et le Seigneur me parlait comme ça. Non, vous avez dit que je n'ai pas l'amour. Je suis juste en train de vous donner un exemple. Amen. Et au fur et à mesure que j'avançais, je me dis, je n'aime pas encore comme le Seigneur veut que j'aime. J'ai ressenti ça dans mon cœur, que je n'aime pas encore comme le Seigneur veut que j'aime. Cet amour qui ne soupçonne pas le mal. Cet amour qui ne se vante point. Cet amour qui ne s'irrite point. Qui ne fait rien de malhonnête. Qui ne cherche pas son intérêt. Cet amour qui croit tout, qui supporte tout, qui pardonne tout. Je te mets au défi de rentrer chez toi, même quand tu vas te réveiller après cette soirée mémorable, que tu fasses cet exercice. Et partout, il y aura l'amour, amour, le mot amour. Mets ton prénom et tu verras que cela va te pousser dans la prière. Si ça ne te pousse pas à la prière, c'est que tu es devenu comme Jésus-Christ. Et j'aimerais que tu m'imposes les mains. Alléluia, femme. On a dit se réveiller, sortir d'un état de passivité, d'une prise de conscience. La Bible déclare ceci. Dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 19. Aussi la création, elle attend. Elle attend, telle avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Lorsqu'on parle de réveiller, amen, lorsqu'on dit, Déborah, réveille-toi, 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 ce n'est pas qu'elle dormait, c'est juste qu'on lui demandait de se manifester. C'est dire, mais réagis, fais quelque chose, ne reste pas les mains croisées, ne reste pas dans la passivité, Déborah, réveille-toi, fais quelque chose. Souvent avec les enfants, hein, quand tu envoies un enfant, tu dis, réveille-toi un peu. Ce n'est pas que la personne est allongée sur un lit en train de dormir sous la couette. Mais c'est juste que la personne doit se requinquer et passer à l'action. N'est-ce pas? La Bible déclare que la nature, elle soupire. Elle a un désir ardent. Elle attend la manifestation des fils de Dieu. Elle attend la manifestation de Déborah. Elle attend l'éveil, le réveil de Déborah que vous êtes. C'est pourquoi ce soir, ou ce matin, j'aimerais que toutes ces personnes qui sont là, qui ont entendu toutes ces prédications, ces paroles inspirées, que ce soit de la servante Oli, que ce soit de notre pasteur et de moi-même, et qui sont réveillés au moment où nous sommes en train de parler, c'est-à-dire qui ont pris conscience de leur état et qui veulent changer. Si vous êtes là ce soir, si vous voulez marcher en nouveauté de vie, vous voulez que les choses ne soient plus jamais les mêmes pour vous, vous voulez que le Seigneur vous aide à mettre en pratique tout ce qui a été prêché, bien-aimé, ça ne sert à rien de venir rester pendant toute la nuit, laissant vos maris, vos enfants à la maison si vous repartez chez vous tel que vous étiez venu. Non, ça ne vous sert à rien. Si c'est pour plaire au pasteur, vous n'avez rien compris. Si c'est pour me plaire, vous n'avez rien compris. Les Déborahs doivent se réveiller. Dans nos églises, les Déborahs doivent se réveiller. Il y a des familles qui se déciment, il y a des familles qui se divisent. Mais pourtant, il y a une Déborah dans cette famille. Mais quel est ton rôle? Réveille-toi, Déborah! Il y a des couples qui battent de l'aile. Mais il y a une Déborah dans ce couple-là. Mais qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi! Il y a des
églises qui ne s'en sortent pas. Mais il y a des Déborah dans les églises. Il faudrait que vous vous réveillez, que nous nous réveillons pour l'avancement du royaume de Dieu. Et une personne qui a compris, qui sait maintenant que sa relation avec Dieu, c'est primordial, c'est l'essentiel, ça vient en première position. Cette personne-là, le pasteur ne doit pas l'envoyer des textos pour qu'elle vienne dimanche à l'église. Maman pasteur ne va pas faire des réunions pour que les femmes soient actives dans l'église. Cette personne comprendra que Seigneur, tout ce que j'ai, je l'ai de ta main. Alors tout ce qui est de mon pouvoir, de ma capacité de faire, je le ferai. Une personne, une Déborah qui a Dieu en appui, c'est aussi une personne, malgré les situations difficiles, ne reste pas à la maison. Non, Ada dit, papa, pasteur, je ne viendrai pas. Eh, papa, trop de problèmes là. Papa, mais c'est mon mari là encore. Non, papa, moi je suis fatiguée. Amen. Une Déborah n'agit pas comme ça. Une Déborah, c'est une femme forte. C'est une femme de caractère. Regardez même dans sa définition, l'abeille. Elle a le, comment on appelle ça, le nard, c'est ça, c'est ça qui pique. Et elle a le miel, c'est doux. C'est une personne très équilibrée. Il y a deux extrêmes, mais très équilibrée. Comme on dit, une main de fer dans un gant de velours. La Bible déclare, du plus fort est sorti le doux. Une Déborah, c'est une femme de caractère. C'est une femme, quand elle pose le pied, elle sait là où elle pose le pied. C'est une femme qui ne se laisse pas balloter par tout vent de doctrine. C'est une personne qui est versée dans les Écritures. C'est-à-dire que tu ne viendras pas lui dire que non, écoute, la prophétesse a dit ceci, c'est là qu'on doit te oindre de lui. Tu dis, tchè, quoi? Alléluia! Une Déborah sait qui elle est. Et elle sait qu'aucune situation ne peut la faire trembler. Toi, tu es une Déborah, tu vas pleurer parce qu'il y a une fille qui passe à côté de ton gars là. Pourquoi? Depuis quand? Est-ce que ça existe même? Oh non, toi, si tu commences à rentrer dans son jeu, toi, une Déborah, tu commences aussi. C'est quoi? Tu vas dans ta chambre. Tu dis, Seigneur, moi, ma relation avec toi doit faire fuir les mouches autour de tout ce qui m'appartient. Amen. Parce que c'est moi la légitime. Alors je commence à bâcher que baba kaba shanda balasa yondo boko cheke mama. Alléluia. Toi, tu vas commencer à pleurer. Ah, si vous dites ça, c'est que vous vous retrouvez. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même d'abord? Merci Seigneur. Vous savez, je n'ai rien dit de tout ce que j'avais écrit. Rien du tout. Mais je crois que le Seigneur utilise des moments pareils pour parler à nos cœurs. Et je crois que le Seigneur a parlé au cœur d'une femme ce soir. Le Seigneur ne veut pas que tu restes dans la passivité. Il fait que tu sois une femme active pour le royaume, active pour ta famille, active pour ton église, active pour le monde, pour l'humanité, pour la société. Alors ce soir, si tu veux un changement, tu veux un réveil dans ta vie, tu te dis j'en ai assez de cet état, je veux que les choses changent, je veux que les choses bougent. Si tu es de tendance à être un peu lâche, aujourd'hui le Seigneur va te donner une onction qui va révolutionner ta nature. Les gens qui savent que si on fait « Ah, elle va trembler », ils vont voir, ils vont faire « Ah, tu te tiens debout ». Alléluia. Vous savez, il y a de ces personnes qui viennent en troupe pour te frapper. Amen. Ils viennent à 5 comme ça pour te frapper. Quand ils viennent, ils se disent que pour elles, là, aujourd'hui, c'est chaos, c'est fini.
Mais quand ils arrivent, ils t'entourent. Toi, tu commences à sourire. Vous n'allez rien comprendre. Ces personnes vont commencer à partir. Parce qu'ils vont se dire, non, elle doit avoir quelque chose de spécial. Si elle sourit comme ça pendant que nous sommes venus à elle avec des bâtons pour la frapper, et qu'elle, elle commence à sourire, c'est qu'elle a quelque chose qui va nous anéantir. C'est quelque chose, là, c'est ta relation avec Dieu. Si tu es là ce soir et que tu sais que ta relation avec Dieu, c'est tantôt plus tôt. Tantôt, il y a de haut, tantôt, il y a de bas. Je te prie là où tu es, que tu puisses te lever. Si l'homme de Dieu ou le couple pastoral a proclamé cette veillée, ce n'est pas pour faire joli. Ce n'est pas une activité de plus pour l'Église, mais c'est afin que nos vies soient changées. Vous savez, lorsque je suis en train de parler, je reçois beaucoup de choses moi-même d'abord. Alléluia! Je ne viens pas pour vous parler. Et d'ailleurs, quand je vous montre du doigt, regardez, le plus gros vient vers moi-même. Moi-même, je reçois d'abord. Alléluia! Parce que parfois, on croit que les prédicatrices, elles viennent seulement parce qu'elles sont remplies d'eux, elles sont comme ça, elles vont bon. Non, 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 je reçois. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me parler aussi. Le Seigneur est en train de restaurer aussi. Et là où j'avais des lacunes, le Seigneur est en train de relever un réveil, de créer un réveil, un shift au nom de Jésus. Le Seigneur ne veut pas que ta vie reste telle qu'elle est aujourd'hui. Si tu veux un réveil dans ta vie. La Bible déclare que les fils d'Issachar savent discerner le temps. Alléluia. Et nous sommes au temps où les femmes doivent se réveiller. Dernièrement, je disais à, je pense que c'est à la servante de Dieu, maman Agnès, on est en train de parler, je dis, je sens dans mon esprit, mais c'était particulier à notre région, là où nous sommes. Je dis, je sens dans mon esprit comme si le Seigneur va créer un réveil dans pas longtemps, mais il va passer par les femmes. Le Seigneur va créer un réveil dans notre ville, mais il va passer par les femmes. Alléluia! Et c'est cette atmosphère que j'ai sentie quand je suis venue ici, quand je suis rentrée, quand j'ai commencé à écouter les prédications. J'ai dit, waouh! J'ai dit, merci Seigneur. J'ai dit, merci Seigneur pour l'excellence que tu mets dans tes filles. Il faut être des personnes éveillées comme les filles de Tchelovkad. Elles n'avaient pas d'héritage, elles n'avaient pas de part dans l'héritage. Mais elles se sont levées, elles ont dit, nous aussi, nous aurons l'héritage. L'héritage appartenait aux fils. Elles étaient des filles, les filles de Tchelovkad. Et elles ont eu ce qu'elles désiraient. Et pour que ça revienne encore, il faut attendre 5 ans peut-être. Mais tout ce que je sais, c'est que la Bible déclare que lorsqu'il frappe à la porte de ton cœur, ne l'endurcis pas. Une Déborah, ce n'est pas une personne qui a le cœur fermé. Une Déborah, c'est une personne qui a l'écoute, ainsi dit le Seigneur. Parce que si elle n'était pas à l'écoute, ainsi dit le Seigneur, elle ne serait jamais montée combattre Sisera. Cette force-là, elle avait de l'assurance qu'elle avait auprès de son Dieu. Que si Dieu dit quelque chose, ça se fera tel qu'il l'a dit. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Je ne sais pas si la chorale peut nous aider, pasteur. Je ne sais pas. On peut chanter.
Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Seigneur, c'est toi qui nous conduis. C'est toi qui diriges nos verbes. C'est toi qui veux, qui dis ce que tu veux quand tu veux. Nous pouvons préparer tout ce que nous avons préparé. Nous pouvons préparer des versets bibliques. Mais quand tu veux parler à ton peuple, tu veux utiliser le moyen adéquat. Merci juste de nous mettre un chant. Thank you, Jesus. Et on va venir par groupe. Toutes celles qui se sont levées ici, merci d'avancer. Les servantes de Dieu, je ne sais pas, vous pouvez faire le service avec moi. Priez pour. Merci beaucoup. On va faire par groupe. D'abord, c'est étranger. Le Seigneur ne veut pas que tu restes tel que tu es. La grâce de Dieu, quand elle nous localise, elle nous transforme, elle nous change. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Chantons majesté. Sans valeur, mais pour toi,
positionné. C'est ta grâce qui me restaure. Chantons majesté. Majesté. Chantons majesté. Majesté. Ta grâce, ta grâce. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Jésus, oh, si tu es malade, oui, malade, regarde à Jésus, oh, si tu es abattu, abattu, regarde à Jésus. Je veux exprimer mon
celui de ta Alléluia. Gloire. Je t'aime,
tu le sais. Je te porte à mon cœur et mon cœur bouille d'amour pour toi. Tu es mon yayaye. Je t'aime, tu le sais. Je te porte à mon cœur. Tu es mon yayaye. Je t'aime, je t'aime, tu le sais, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yayaye. Je t'aime, je t'aime, tu le sais. Tu es mon.